Soti Miami Beach, passe Orlando pour arriver en Haïti, n'a regardé Cocktail TV Show. Non, c'est pas à leur lieu. Nous allons passer un très bon moment ensemble. Merci. Merci pour voir. Passion pour pays. Merci pour tout travail à création pour vous et Haïti monter. Dimanche 30 octobre 2016, pour rendre hommage mérité à Yol des Roses, United Haitian Artists a présenté dans Miami-Dade County Auditorium Haïti Cœur de Femme. Haïti Cœur de Femme, ses résultats en pile travail. Yon mariage, belle voix, belle costume, belle couleur. Bel coup de tambour, belle harmonie, belle complicité entre plusieurs artistes différents pour célébrer héritage culturel nous, sous bannière fierté, l'espoir à clamour tout temps. En nous tout à dit Yol des Roses, bravo, dans Bel coup d'jaï qui a réuni Renette Désir, Richel Guillaume, Tamara Suffren, Annie Alert, à toute l'autre yo, sous direction maestro Fabrice Rousier et Nicky Christ. Invité spécial, Diva Créole International, Emeline Michel. Bénéficiez puis bon prix. Pratiquez au bonheur pour seulement $40 à partir du 15 septembre sur le site internet ticketmaster.com. Dimanche 30 octobre 2016, vine applaudir à Tis Nuyo sous scène Miami-Dade County Auditorium, 2901 West Flagler Street, 6h30, faut que tu aies déjà l'ouvrir. Tribute to Yol des Roses, qui ont gros spectacle, qui ont gros rendez-vous. Spectacle ça possible grâce à Picklist.com, Les Dunes Photographie, Compaivette.com, Le National, Le Floridien, Radio Haïti Amérique, Radio Planète, Radio Méga, Valérie Ocanès, Cocktail TV Show, Tele Anacaona, Bonjour Haïti, Island TV, Master V Productions, Femme na Miami, Santla, THELAR Management Group. Oui! Finalement, moi, je suis tombé sur nous. Et puis, je dis à ma chercher nous, je ne vais pas jouer avec nous. Non, pas moi, c'est juste mes idoles. Pas bien, mes amis, je vais suivre Cocktail TV Show. C'est chaud qui tombe, regardez, quand vous avez tout le bagage de rapport culturel. Si vous voulez entendre des comédies, vous voulez entendre des blagues, vous voulez entendre des gens qui chantent Cocktail TV Show. Et si vous avez besoin de jouer avec moi, vous pouvez toujours aller le téléphone qui est dans la tête. Là. Oui, vous pouvez oublier, dit nous, le téléphone n'a pas marché. Ce téléphone de l'écho. Bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans l'émission Banouan Cocktail TV Show, une émission qui présente nous à partir du sud de la Floride et produit par THELAR Management Group. Nous avons regardé Cocktail TV Show soit sur Tele Anacaona, chaîne 38.2 à Orlando, chaîne 11.2 dans le sud de Floride, là, ou sur teleanacaona.com ou sur Android app Tele Anacaona. Ou bien sur Télévin en Haïti. Moi, je souhaite nous toutes bienvenue. Semaine ça, nous avons une émission très intéressante, comme chaque semaine. Nous toujours apporter des nouveautés pour nous, des bails que nous ne connaissons, une façon pour détendre nous, informer nous et surtout connecter nous avec ce qui se passe en dehors d'Haïti. Il y a un pile et un pile dans nous qui a regardé l'émission dans Orlando. Nous remercions nous pour fidélité nous. Nous remercions tout ça qui a regardé nous Atlanta et qui est en Europe qui a suivi l'émission qui vini des habitués et c'est grâce à nous-mêmes que nous existons. Donc, Cocktail TV Show vous apporte tout ce que votre cœur désire. Semaine ça, on a recevoir comme invité nous un représentant du groupe Xtassy, un groupe compact qui est haïtien, qui est basé dans le sud de Floride, qui est formé en 2004. Xtassy, c'est parmi groupes et artistes haïtiens qui sont finalistes dans International Reggae and World Music Awards. Donc, avec fierté, Xtassy pour aller représenter Haïti pour tes drapeaux nous très haut sous scène, Coral Springs Center for the Arts, le 2 octobre, Cap Vinila. Et c'est un plaisir pour monsieur, capable pour la première fois, premier groupe haïtien et qui jouait dans International Reggae and World Music Award Awama. N'a pas songé que gagner deux catégories côté groupe haïtien et artiste haïtien représenté, c'est catégorie
Best Haitian Entertainer of the Year et catégorie Florida Haitian Entertainer of the Year. Donc, n'a pas parlé plus de Xtassy et de Awama dans un moment, mais m'a rappelé nous que certainement n'a pas gagné pour nous tant des conseils de Nayeli Fanfan. N'a pas gagné une rubrique événement, une diversité d'événements qui caractérisaient ça, Sud Florida a à offrir. Et puis, n'a pas gagné Chef Celestin, n'a pas rentré dans la cuisine pour l'autre recette. Comme annoncé, chers amis téléspectateurs, n'a pas invité nous. Gardez une interview que nous avons gagné avec Jeff, maestro et bassiste du groupe Compa Xtassy. Moi, je suis dans le studio d'enregistrement et de répétition du groupe Xtassy, un groupe compas haïtien qui est basé dans le sud de Floride, qui est sorti finaliste dans la 35e édition International Reggae and World Music Awards Awama. Xtassy qui est sorti finaliste aux côtés de classe J-Beats 5-1 Kodak Black. Donc, une compétition très serrée pour le groupe haïtien qui a participé dans l'événement ça. Et moi, j'ai avec Jeff, qui c'est maestro et bassiste groupe Xtassy. Et Jeff, merci pour être recevoir la base Xtassy. Ah, merci, Farah. Et puis, je voulais saluer tous les fanatiques Xtassy qui là, qui branchent Tele à Anacaona. Et ça pas fanatique, nous pas fanatique après interview ça, OK? bien dit. Et Jeff, dis-moi comment jazz là ces jours-ci. Bon, jazz en forme, n'a travail, n'a répété, jazz a travail d'une, nous gain n'a préparé nous pour choix qui va venir dans 2 semaines là. Et n'a travail, n'a répété, nous là, tout le monde là focus, n'a poussé jazz à, vous connaissez? N'a fait du travail pour nous arriver puis devant, vous connaissez? N'a fait gros travail. Eh mais n'a dit gros travail. Nous pas dit du travail, n'a dit gros travail. Parce que Xtassy pour représenter Haïti, donc nous pour voir le drapeau haïtien très haut dans la 35e édition International Reggae and World Music Award qui vient pour faire le Correspondent Center for the Arts le 2 octobre. Donc et compliments pour être nous aussi finalistes. Wow. Et parce que quand même si nous cap sorti finaliste en catégorie ça qui c'est Florida Haitian Entertainer of the Year, c'est que nous avons un impact et sur la communauté haïtienne dans la Floride là, nous fait bruit, nous fait parler de nous. Et comment groupe là te recevoir et nouvelle là? Bon, moi même kadou, le moins ouais message là, c'est manager qui voit message là pour nous dans groupe là. Quand nous avons un groupe côté nous parler de tout bail, manager a envoyé un message en lui dit monsieur mes compliments, nous yo nominé nous pour un award dans Awama Haitian International Reggae and World Music Award. Wow. Which is completely international. Bon, ah bon, même personnellement me saisi, me fait wow, it felt great, like it was really an honor, like comme si pour représenter Haïti ou pour représenter musique haïtienne qui se compare. On va dire son honneur, pas même gain mot qui ca expliquer qui j'en ont senti non. Tout le monde était comme si dans le groupe, oh mes amis, regardez, oh nous pas participer dans un gros award international comme ça, son honneur définitivement. Et award ça a venu tout, ou plutôt nomination ça on va préciser, venu avec une possibilité pour nous-mêmes pour nous aller et jouer dans et pour nous performer, comme on dit en anglais. Et là, nous-mêmes, nous prenons décision, nous dit que nous prenons le poté flambeau haïtien et oui. Bien haut. Donc, nous prenons jouer aux côtés de groupes caribéens, de renommée internationale, de groupes africains et latinos. Donc, qui ça représente pour nous dire prendre des filles ça? Bon, nous avons dit que ça rêve nous toutes, c'était pour nous toujours représenter le pays. Nous. Et c'est surtout comme si pour garder que vous pouvez représenter le pays au niveau international, côté vous pouvez non l'autre market, vous avez un reggae, vous avez plusieurs différents types de musique, vous avez la musique africaine, vous tout, là, tout ça. C'est vraiment un, comme si nous avons un honneur comme si pour nous pouvoir représenter le pays, nous, parce que nous avons toujours voulu pour nous t'es car comme si step out de comfort zone comme si qui s'est juste resté là dans compagnie dans l'industrie haïtienne et puis pour nous take that next step which is the international step to represent our country Haiti.
Well, this conversation about representing Haiti for any band, any Haitian entertainer, it's always a great opportunity and also a dream. Mm-hmm. Et c'est pas un bagage qui a fait overnight, c'est pas un bagage qui a fait comme ça. Et Xtassy représente nous a dit la génération millennium mm-hmm. et de du compas direct. Ouais. Et donc qui ça pour nous après que nous couple formé en 2004 et à peu près dans 2014 10 ans après notre sortie album nous et deux ans après et nous venons et nominé comme Florida Asian Entertainer of the Year. Donc c'est par rapport à travail que nous fait en 2015 que je dis hein, que nous parmi finalistes et qui ça a été pour nous même pour nous arriver là. Bon, moi quand jazz a formé en 2004 et à partir de 2004 on voit jazz a passé plusieurs différents team members, différents personnages qui viennent dans l'équipe là pour te cas comme si fait jazz arriver côté là aujourd'hui. Mais avec dernière équipe nous devons venir là, nous toutes qui ça nous te toutes te en commun, nous toutes te une seule vision, c'est pour faire Xtassy crossover, c'est pour faire Xtassy comme si reach heights que li pa jam rive. Et pour ça nous toutes le n'a travaillé album là, tout le monde te chita là dans ti ça soir là a mettre tête ensemble à travailler à bain pour yo à travailler dur comme si ou c'est comme si nous pas aucune limite à ça nous te paré pour nous te faire pour nous te capriver côté nous là aujourd'hui pour nous arriver gain nomination ça aujourd'hui. So you have the nomination, you're going to perform in front of foreigners, mon équipe haïtien. Et qui s'en a préparé? Ah, ça, bon, pas qu'à dire nous exactement s'en a préparé, mais ça m'a dit, tout haïtien, nous pas fiers de jazz et l'Xtassy à jouer ça, parce que nous pas représenter le pays, nous pas lever drapeau bien haut pour dire c'est haïtien, oui. That's it. And I know that you're going to have 5 minutes performance. Yeah. C'est pas tant coubal, c'est un spectacle. Et donc, quand vous avez dit, vous avez 10 secondes pour impressionner le monde. Donc, nous teaser, qui ça a espéré de 5 minutes ça? Comment on va gérer 5 minutes ça? Ah, Farah, pour y s'en poser des questions comme ça? Ou à PCF, faire mettre bagarre là-dedans? Non, c'est vraiment pas parler. Non, pas qu'à bailler. Seul Sam qui a dit, nous pas représenter le pays, on a fait nous fiers. Vini le 2 octobre dans World là et puis n'a ouais qui ça Xtassy va faire pour représenter pays normal. Nous connaissons que dans World show et red carpet sont bagage très important. Donc you miss the red carpet, you miss half of the show. C'est-à-dire j'en apprendrai how you going to walk toward the red carpet and then what the fans gonna see parce que toutes médias étrangers à plat. Donc dim et the red carpet. So, qui s'en prépare? Je connais que Alex est après avoir ses costumes. Qui s'en a metté à the outfit? Tell me, guys. Nous ne pouvons pas demander à nous de regarder nos lanchons et puis pour pas un tease. Comme je dis que Alex a travaillé sur une série de habits pour Jazza. Ouais, monsieur, nous parlons pour l'autre jeune net. Bien frais, bien bagay, n'a pas travail pour ça là, Alex. Deux yeux fermés, des pouces de fashion. Deux yeux fermés, nous regardons Alex, nous disons Alex, fais ça faire, non? Nous n'en mon oui, papa. Ou mais fais ça faire, regardez. Bon, elle nous a pas habillé, nous, chaque fois, nous avons performance. Tout le monde vient regarder Alex. Qui est-ce pour nous habiller, monsieur? Alex dit, mais monsieur, bah, qui fait jazza toujours paraître fresh up. Amen, on travaille. Donc Xtassy qui paraît en pile bail pour nous malgré tout ça me fait nous Kawel et Jeoffrey lui parler. Donc Jeoffrey ba nous si bagarre de qui ça va réserver pour nous haïtiens le 2 octobre. Mais toutefois, nous avons intérêt faire déplacement et red carpet a commencé à 5h de l'après-midi dans Coral Spring Center for the Art qui dans Coral Spring dans Sud Floride là. Donc nous même cap garder nous Orlando, Haiti, nous voulons faire déplacement et bien monter sur awama.com irawma.com pour nous capable garder et performance line-up là et surtout pour nous capable garder pour nous capable acheter ticket nous qui a en vote donc sorti en masse à supporter Xtassy.
Et Jeff et Dim, comment 2015 ans, année 2015 ans, t'es peu Xtassy? 2015 ans, m'kadou, tout temps m'en gen nan Xtassy, c'est une année qui t'est pi bien passé pour nous. M'kadou, chaque week-end, jaza en côté. Jaza, nan nou la, nan performé chaque week-end. Même deux à trois fois parmi des week-ends, deux à trois fois, mais chaque week-end, grâce à tes boucles, n'a travail, la semaine n'a répété, ça a un petit travail, on ne sait pas travail, et puis week-end, nous dehors. Du vendredi pour lundi, nous allons aller dans le travail, nous allons essayer de faire tout ça nous capables, mais pour nous make sure que nous toujours bring our A-game pour nous plus fanatiques. Et 2015 ans, son année, pas de chita. Pas de temps pour, comment m'a dit ça, pas de rete chita aptan, c'est, we were always on our grind, which was a very productive year for us. Et ça fait deux ans que nous sortons l'album, nous, mm-hmm. qui prochaine étape, là, est-ce que nous déjà travaillons sur un nouvel album? Oui. Bon, avec Xtassy, m'a dit, franchement, son jazz qui était dans le studio. Nous toujours à produit. Bon, là, il y a moi-même qui produit. Si Claude qui produit sous Bopal, ou bien Alex qui produit, qui écrit musique sous Bopal, et pour bien Chukito, guitariste là, qui produit tout sous Bopal. So, tout le monde toujours travaille, et nous toujours end up, gen un nouveau musique qui est toujours là. Si c'est pour musique, et que ça c'est toujours une musique qui est là, qui chita là dans le computer. Pareil. En parlant de production de musique Xtassy, ça qui différencie Xtassy de un groupe, ou l'autre groupe compare, mais qui a dit même génération, pardon. The millennium generation. Bon, franchement, pas qu'à vraiment dire qui ça qui différencie nous. Seul ça m'cadre que nous-mêmes, qui j'en nous travaille, nous plus fait bail en tant qu'on équipe. Ça veut dire, n'a produit, et puis nous tout a chité ensemble, et puis n'a cher idée, n'a changer tout bail nous toujours fonjan exact tout ça n'en prend des c'est en prend nous garder l'ensemble en groupe mm-hmm. exactement n'importe ça Xtassy fait sans groupe n'importe qui aspect lien c'est pas comme si décision on grain de monde pas parce que c'est maestro c'est pour gain dernier vote non dans Xtassy tout le monde met tête ensemble yo travail commencer sous tambouriner arriver sous chanteur tout le monde net met yo ensemble pour faire travail à la fête. Et non, du point de vue management, qui est-ce qui est management Xtassy? Ah, management, c'est monsieur Gopoyet, il y a les Mano. Mano, everybody knows him as Mano ou bien Stéphane Nelson. Mm-hmm. Stéphane Nelson is our manager qui a fait un superbe travail, qui toujours make sure que tout bagaille est réglé à la ligne pour Jazan. Ça veut dire, nous arrivons là, il make sure que Jazan atteint on time. Everything is handled. We also booking. Rehearsal, booking, ni toujours on top of everything. Mano, ou toujours, Jeff, tata ba, on allez, fais ça, rapide, comme ça, mano pas, je me dormi, il est toujours sous ça, toujours à travail. That's good. Passion and yes. Professionalism, ça a été manager. Very. And as a musician, you need that. Yeah, exactly. So, Jeff, tell us, moun qui a regardé interview ça sur le Cocktail TV show sur teleanacaona.com et sur chaîne 38.2 Orlando et teleanacaona sur Floride 11.2 et ou bien sur Apio ou bien moun qui a regardé sur Tele 20 moun en Haïti ou qui a regardé sur Tele 20. Dim, et comment si vous besoin de rester branché, connecté avec Xtassy Jazz Paiwa? Ou bien vous besoin, si comme vous te dit, même si vous ne connaissez vraiment Xtassy, vous n'avez pas cherché connaître qui jazz et qui ça jazz en poté, qui ça gagne en jazz côté, comme on dit, qui côté, comment vous rentrez en contact avec nous? Bon, pour rentrer en contact avec Xtassy, c'est vraiment simple. Vous pouvez aller sur Facebook. Sur Facebook, non, c'est Xtassy Compas. Compas séparé de Xtassy. Okay. So Compas c'est KOMPA. OK. Et puis Xtassy c'est X Xtassy. En un mot, pas de tiret. Un mot. OK. Xtassy Compas sur Facebook et Twitter c'est Xtassy Compas aussi, Instagram Xtassy Compas. Mm-hmm.
tout bas yon net c'est Xtassy compa. Ok, good. Même j'en yon replé, de pou an yon kekri Xtassy, wap toujou yon compa, tout bas yon bel, parce que c'est seul Xtassy ak kon sa. Yeah, so identifie nous comme un jazz compa. Oui. Compliment messieurs, et ensuite, konnen que nous fin année nous pral gen en pile activité, qui sa ou, qui sa ou besoin bay et public lan, d'envie 10 public lan, sou à fin année nous. Bon, fin d'année, ça, ça m'a dit. Haïti n'a vini, chérie. N'a vini. That's it. M'a gagné encore, m'a dit. Yo, voyez, nouvelle lavanou, mon Haïti. Donc, Paris Return Xtassy après belle performance que vous avez pour faire dans International Reggae and World Music Awards à Wama le 2 octobre Kabina dans Coral Springs Center for the Arts. Donc, dernier mot, Jeff, et pour Fanatique Kouyo, Kabgado. Fanatique Xtassy. On gros remerciement de ce que nous là n'a kembe avec Jazza. Seul ça me veut nous connaître Jazza pas plagué, n'a continuer travail pirade, nous motiver, nous stronger than ever, n'a travail pour nous. Thank you very much for your support. Continuez de brancher sur Xtassy, OK? Et le 2 octobre la soirée réservée pour vous. Ah, 2 octobre là, c'est vini pour ouais ça cap vini. Ah, ça rien pour faire là là son secret jusqu'à présent. Souvrez contre sa cap fête là, n'attendons le 2 octobre dans Iwoma Awards, ok? Très important. L'invitation est faite, donc le message est lancé, nous-mêmes, cap gade émission ça, nous banons rendez-vous le 2 octobre dans Iwoma, cap fête dans Coral Springs Center for the Arts. Allez sur iwoma.com, irawma.com pour nous acheter que nous, pour nous supporter. Tout jazz haïtien qui yo même sorti finaliste International Reggae and World Music Awards m'a rappelé et que gagné dans catégorie Haitian Entertainer of the Year, nous gagné classe Jacout number 1, 3 Jess, J Beats, Wichel Guillaume et puis dans catégorie Florida Haitian Entertainer of the Year, nous gagné Xtassy et J Beats classe Kodak Black avec 5 clans. Donc nous-mêmes qui haïtiens qui surtout qui vivent dans sud Floride là, nous-mêmes qui croyons dans représentation pays nous et dans un événement étranger, eh bien nous invitez nous sorti venir supporter tout artiste haïtien sorti finaliste et particulièrement venir applaudir venir cheers for Xtassy. So nous parlons pour publicité et puis cocktail TV show vous revient dans un moment. Bonsoir tout le monde. Non pas moi, c'est Gislaine Mesidor, directeur Café Olé Production, qui voulait faire nous tous connaître que Café Olé Production retourne avec Culture en Folie dans Cassa Champêtre, deuxième vendredi de chaque mois à partir de 10h dans la soirée. Venez découvrir une pléiade d'artistes, une pléiade de talents dans poésie, chansonnette française, musique jazz, défilé de mode et tout ça. Pas oublier, rendez-vous à deuxième vendredi de chaque mois dans Cassa Champêtre qui est dans Pembroke Pines, Florida, n'attend tout le monde à la ronde bade. Viens divertir. Ciao! It's Saskia Sky and I'm here with Cocktail TV Show. Yeah! Yeah!
everyone, welcome back. I am super excited to have you with me today. We are going to talk about a very interesting and a very important topic. This topic will be the five secrets a model will never tell you. For those who are interested in the modeling industry and making a lot of research, then you have me right there in front of you telling you about my personal journey and telling you about the five secrets a model will not tell you. Secret number one, it's not about talents only. It's about passion, discipline, and attitude. Because you can see that there's a lot of beautiful women, super, super talented, who knows how to walk, who knows how to play the act, but still are not able to lead very amazing roles. And you will find others with a variety of beauty, a variety of weight, a variety of height that are leading major, major contract, major campaign, major fashion shows. So yes, it is about your attitude, it is about your passion, and it is about your discipline. Those are really, really first key. So believe in yourself. Don't limit yourself with only your exterior or just your talent. It is not enough. Secret number two, it is hard work. You cannot lay in your bed, think that, and dream about what you want to do and not putting action behind it. Thoughts are frozen actions. So if your thoughts are staying in your head, just saying like, I want to be in a fashion week, I want to be in this campaign, I want to be on TV, and you are not taking action, then it will never happen. Don't let your thought be frozen actions. So go ahead and make your research, reach out to people, apply online, make the phone call, go to the agency and do the work in order to offer you the opportunity to talk, to knock at many doors so one of the doors can open for you. Tip number three, follow up. Following up is very important in this industry because even as a model, talented, successful, let's say you did great work and then you don't follow up, then you're going to build a reputation where people don't want to work with you. If you say you're going to be at that casting, you confirm your presence and you don't show up, or you say, yes, I'm going to call this agency, I'm going to follow up on this agent, and you don't do it, the next time they might not want to work with you. It is very important that you follow up once you give your word and once you say that, yes, you will follow up. Tip number four, you need to have a very high self-esteem because I guarantee you, this industry is not easy. You will hear a lot of people tell you, no, you're not good enough, you're not tall enough, you're not pretty enough, you're not, give up, why don't you go get a job, a real job, modeling is not a job. I remember even one time that I walked into an agency and nobody even greeted me, nobody even acknowledged that I was there, but I knocked at so many agencies and I had so many no's that eventually I had a few agencies who believed in me and opened their doors to me. So you need a high self-esteem because I don't want you to be that model that goes to a casting and says, oh, they're only taking tall girls, I'm not tall enough. They're only taking blonde girls, I need to dye my hair blonde. Don't limit yourself because they always need your type, your look, or your attitude, your personality, some way, somehow. There is enough for everybody. Anybody can be a model. If that's what you really desire, if that's your passion, if you have the right attitude, yes, go ahead and knock at many doors and you will have doors open to you. Tip number five, know your boundaries. You need to know when you are going to step up and stand tall and say no. If you know the action that you are going to take today will hurt you or will affect you in 5 years, 10 years, 15 years from now, then don't do it. If you know that your boundaries is no nudity because you want to be that corporate, in that corporate world, anything that will affect your image in the future, then don't do it. Know your boundaries. Know when you are going to say no
to the proposal or to the job or to the project that they're giving you. So I'm going to leave you with this quote that if you do it and you don't get paid, it's a hobby. If you do it and you do it as out of service, it's a volunteer service. But if you do it and get paid, it's a career. So you can build a career out of what you really want, and what you can build a side career or a main career out of the fashion industry, out of modeling, out of acting, whichever that your heart desires. That it's not only about talent, that it requires discipline, passion, and attitude, that it takes hard work, that you need to follow up, and that you need to have a high self-esteem, and that you need to know your boundaries. Stay tuned. I will see you next week. Looking for a taste of the Caribbean right here in North Miami, where fresh ingredients and your favorite Caribbean spices will delight your taste buds and the service will make you smile? Then come on down to Old King Creole Barbecue and Bakery. At Old King Creole, we specialize in three things: good times, affordable prices, and fantastic Caribbean food. So bring the whole family, bring your friends, and remember to bring your appetite for delicious, authentic Caribbean food. Old King Creole Barbecue and Bakery, located at 13695 West Dixie Highway, North Miami, Florida, 33161. Come on down the islands. You're watching film and television segment on Cocktail TV Show. This was brought to you by the Motion Picture Association of Haiti. Dans la rubrique film et télévision semaine ça, nous présentons La foi dans le désert. Un film qui sortit finaliste dans la 6e édition Haitian Movie Awards. C'est un drame de Ronald Tima qui gagne comme vedette Wilfried Estimable, Mackinson Souffrant et Verona Laguerre. Nous marions. Tout le monde a fait petit. Et puis, vous refusez de faire Timon. C'est bon Dieu, ben Timon. Pas de aucun moyen du tout pour t'avoir fait petit à cause de problème ça. Parce que dit bah toute l'autre coupe au petit sauf moi le papa petit. Après 6 ans, on déjà un bon Dieu par mes femmes tête moi. Ah non. Non non non. Crazy. Non. Ouais, il faut tenter la vie conserver. Renfler, renfler. Quel problème? Comment tu fais entrer ici même? Comment tu fais entrer ici? Là, montre ici Jean, tout le monde entre. Moi même, c'est dans avion que t'es venu. En l'aime passer. Ou même, am gade boy. Ou semble moun ki prend ti bateau yo? Ti bateau. Ti bateau, rete en paix, attendez. D'accord. Ki son nom ni moun sa? Son gen. Ou on fait pa mon piti? Amen. Mettez mon sous votre au nom de Jésus. Mettez mon sous votre là. Amen. Mettez mon sous votre là au nom de Jésus. Que l'Éternel, amen. Qui tout puissant, que bon Dieu ça. Amen. Qui goun bay petit là? Seigneur, ma bonne âge pour lui-même. À l'instant même, Seigneur. Touchez votre sœur, Seigneur. Touchez votre sœur, Seigneur. Vous pouvez nous faire mettre un bébé là-dedans, Seigneur. Dans quelques mois, cher Seigneur, vous m'arrêtez à tourner, Seigneur. Dans mon nom, à l'âge, à faire ça, Seigneur. À mettre un bouleversement dans le cœur, Maria, Seigneur, pour retourner dans le cœur là. Amen. Pour lui témoigner, grandeur, Seigneur. Lui, vous faire petit ça, Seigneur. Parce que nous pouvons agir. Seigneur, nous prenons autorité au nom de Jésus qui va nous pouvoir ça. Allez-vous, Seigneur. Jacob, pas venir travailler, je veux dire. Ou pas venir travailler, je veux dire. Parce que tout à l'heure, l'immigration est venue dans le travail. Je suis venu pour vous. Mais problème, vous signez.
Yo vle pou depote ou sinye nan dan peyi a. Yo vle pou depote ou sinye nan kounen nan yi ke wara fe. Jésus, l'Éternel. Hey, papa non, Jésus wa! La foi nan désert soti finaliste nan kategori meilleure histoire originale nan 6e édition Haitian Movie Awards. This is Falia Justima. I'm the Florida Ambassador for the Motion Picture Association of Haiti. On behalf of the association, I encourage you to continue to push the efforts of the film industry. So buy Haitian movies, buy original movies, and encourage the filmmakers to continue with this great work. Thank you. Merci. Merci pour voir. Passion pour pays. Merci pour tout travail à création pour Haïti Haïti monter. Dimanche 30 octobre 2016, pour rendre hommage mérité à Yol des Roses, United Haitian Artists a présenté dans Miami-Dade County Auditorium Haïti Cœur de Femme. Haïti Cœur de Femme, ses résultats en pile travail. Yon mariage belle voix, belle costume, belle couleur. Bel coup de tambour, belle harmonie, belle complicité entre plusieurs artistes différents pour célébrer héritage culturel nous, sous bannière fierté, l'espoir à l'amour tout temps. En nous tout à l'dit, Yol des Roses, bravo, dans Bel coup d'jaï qui a réuni Renette Désir, Richel Guillaume, Tamara Suffren, Annie Alert, à toute l'autre yo, sous direction maestro Fabrice Rousier à Kniki Christ. Invité spécial, Diva Créole Internationale nous, Emeline Michel. Bénéficiez puis bon prix. Pratiquez au bonheur pour seulement $40 à partir du 15 septembre sur le site internet ticketmaster.com. Dimanche 30 octobre 2016, ville applaudie à Tis New York sous scène Miami-Dade County Auditorium, 2901 West Flagler Street, 6h30, porte qui a déjà l'ouvrir. Tribute to Yol des Roses, qui ont gros spectacle, qui ont gros rendez-vous. Spectacle ça possible grâce à Picklist.com, Des d'une photographie, Compaivette.com, Le National, Le Floridien, Radio Haïti Amérique, Radio Planète, Radio Méga, Valérie Ocanès, Cocktail TV Show, Tele Anacaona, Bonjour Haïti, Island TV, Master V Productions, Femme na Miami, Sotla et THELAR Management Group. C'est Cocktail TV Show qui continue sur votre chaîne de télé ou sur votre app ou bien sur votre site internet teleanacaona.com. Nous sommes gardés et rubriques et films et télévision. Encore une fois, on a remercié Motion Picture Association of Haiti pour l'initiative pour honorer et récompenser et encourager professionnel du 7e art du cinéma et qui ont même a pas voyé culture haïtienne nan, vente culture haïtienne nan, à travers le monde et nous ka connaît nous ka songer que c'est à travers le 7e art c'est à travers le cinéma qu'on capable changer et les mœurs qu'on capable adresser des problèmes sociaux qu'on capable tout et shape the brain shape the mentality en d'autres termes nous capables de changer mentalité, au fait toute une révolution et des avancements au pays. D'ailleurs, Hollywood éprouve nous en pile, nous prouve nous souvent. Donc, c'est à travers un cinéma américain que les États-Unis vendent et culture, tendance, idéologie à travers le monde. Et ça nous rend compte, nous consommer et culture, parce que c'est ça nous vend dans le cinéma. Donc, Motion Picture Association, compliment. Parce que nous besoin renforcer et organiser, structurer le cinéma haïtien pour nous capables changer notre pays. Et on continue avec Cocktail TV Show, on a passé dans la rubrique événements, nous parlons et suivons tout le reportage que nous préparons pour nous. Sauti 9 pour arriver 29 septembre, Bailey Contemporary Art a présenté Reproduce, une exposition artistique qui est faite avec Fatra, objet qui écrasé, que yo pas utilisé encore, en fait, tout ça nous ka imaginé. Exposition ça, ses œuvres plusieurs artistes qui réalisaient sous supervision Lisa Rockford, a fait nous réfléchir sur importance recyclage, gestion et traitement fatra, sous protection environnement n'ap viv la, sous capacité créative nous, ak imagination nous.
Donc, tout autour de nous, dans tout ce que nous touchons, consommons et utilisons, il y a de l'art. Exposition RE Produce, RE qui c'est abréviation pour Recycle Material and Debris Produce, a duré jusqu'à 29 septembre dans Belly Contemporary Art qui est dans Pompano Beach. Samedi 17 septembre, nan, pianiste haïtien Albert Chancy était de passage en Floride avec Michel Martelly pour un concert dans Renaissance Ballroom dans Miami. Chef Celestin. Bonsoir, Fa. Merci le fait que vous recevez dans la cuisine, nous, encore une fois. Bon, on connaît, c'est Kaïou, c'est Kaïnou, c'est Kaïou communauté, hein? C'est Kaïou, Kaïble. Et une particularité qui est dans le Pinter restaurant, l'ordre de consommer là, c'est devant qu'il y a fait manger, c'est devant qu'il y a beaucoup de l'ambiance, il y a beaucoup de poules, il y a beaucoup de codène. Donc, où est tout le bac à préparer? Devant dans aucun créole restaurant, dans le même carré cuisine, c'est comme ça que nous venons là, dans la poêle. Chef, dis-nous, comment vacances vous payez? Bon, vacances moins remplies 100%. Chargé bien attiré, chargé avec activité. Et moun... garder le monde des touristes qui viennent visiter. Bon, ça que te fait plaisir, c'est de regarder le monde juste à Haïti. Merci, je vous salue, nous, Haïti, et je regarder le monde Canada, yo. Merci, touristes Canada. Yo. Et nous toujours changer nous messieurs messieurs dames Georgia yo qui est venu dans le restaurant. Bon, c'est yo même yo t'a parlé comment on fait travail, et yo dit son merveille que yo t'ai senti yo fier là yo vinn garder yo ti wel nan TV et yo wè kon ya là yo ka vinn chita chef la préparé manger et yo dit yo rete pour vous même pour vinn manger ensemble avec yo. Bien n'a kon yo donc moun Georgia Haïti Canada qui est venu visiter aucun restaurant cap garder nous sur teleanacaona.com. Et ça cap garder nous tous sur télé 20 en Haïti. Mais nous remercions nous et nous remercions nous le fait que nous t'es venu essayer restaurant et nous penser nous souhaiter que nous t'es satisfait. Chef là, dis-nous qui soirée pour nous semaine ça. Jeudi hein, bon semaine ça on connaît moi-même nous quoi dans naturel, nous quoi dans fraîche, nous quoi dans santé, nous quoi dans vivre longtemps. Pour Feli, son seul bagage au café, manger ou. C'est produit naturel, produit agricole, frais et en bonne condition, tout cuit en bonne condition. Oui, yeah, non, on connaît ça, il y a cas naturel, mais sous mal préparé, yo, mal météo, ingrédients tout dessin, mal conservé, ou tout à banane. C'est pas banane, on mange à non, banane, on va manger à ce royaume bataille. Ah bon, chef, la malade avec nous. Notre chef, semaine ça, moi que. Table pas trop occupé, il va y avoir trop de bail sur table, dis-nous qui menu. Bon, on connaît ce maintenant nous te manger lambi, clambi peu poisson. Puis je crée semaine pendant vacances là. Donc dis-nous qui sont gagner. Ce maintenant, je dis à nous gagner teki.
Ok, donc nous gagnons. Coden. Nous gagnons et dend. Donc, comment présenter présent? Parce que nous connaissons dans la sauce, il y a des fruits, comment préparer. Bon, je dis, hein, vous connaissez vacances, n'a pas préparé, n'a pas eu mon petit. Ouais, nous avons un coden. Oui. Nous avons un coden frit. Donc, nous allons voir comment préparation est, mais juste avant. En nous parler de roster de ingrédients qu'on va utiliser. Bon, ou après tout ça nous fait, nous toujours dit naturel, fresh, c'est que ça n'a pas travail, c'est la vie. La vie où qu'on est venu sur la terre, nous gain piment douce, nous gain au compte citron, ça c'est fresh, citron. Nous gain ouais. Bon jean. Pour voter acide dans dedans. Dans dedans, nous gain céleri, nous gain persil, nous gain oignon. Que nous-mêmes nous couvons pour nous manger. Et vous avez un morceau d'indou qui déjà lavé, préparé à ton épicin assaisonnement, comme on dit. Donc, assaisonnement au King Creole, spécialité au King. Oui, c'est ça, faut, ouais. Même celle nous pas mettre parce que nous mettons même celle-là ensemble avec assaisonnement que nous pour nous mettre chaud, tout bagarre rentrer. Ensemble en dernier. Et pour bon épice qui rentre dans et dedans parce que nous couvons dans et viande qui bien épicée nous-mêmes haïtiens. Donc dis-nous, nous connaissons qu'on va le montrer nos préparations, mais en principe, combien de temps vous conseillez que pour nous quitter épice et macérer dans le codenna? Bon, viande codenna pas trop épicée, trop kembe. Pour m'tadou souvent wop épice dans li parce que nan moi-même pour moi-même moi dois faire li ça c'est au king fin préparer épice li nan au bord de 30 minutes ou mettez coden paré coden pour prendre dedans. OK, pour faire belle couleur et puis paré pour servir. Donc nous connaissons nan au king restaurant yo utilise des produits frais. Des produits agricoles, des produits que nous avons et un peu partout. Donc, nous encourageons toujours à surveiller. Ça va mettre dans la bouche nous et dans les stomacs. Donc, nous allons passer à la préparation. La préparation, yes. Vous avez mangé un petit diri avec sauce poire. Le petit maïs moulé avec sa poca. Bon, mon petit pâté codé avec cola. Pour commencer, on peut jouer dans un petit pays. Bon, t'as mangé un petit diri avec sauce poire. Le petit maïs moulé avec sa poca. Bon, mon petit pâté codé avec. Et c'est qu'on s'en présente un plat fritaille coden et avec accompagné d'un pickles, laitue. Bien sûr, on va pas dire ou gagner fritaille, son va gagner banane. Donc, codenna bien coloré, doré, et coden free et fried turkey, chef. Yes. Donc, comme nous te voyons tout à l'heure, nous avons que chef là, il mettait, et après le fin assaisonné, et codenna, on mettait là dans la chaudière de manière pour le capable. C'est sué, tant que je dis. Donc, pour Vienne, quand on ramasse l'école, et à ce moment, quand on rentre dans Vienne. Oui. Donc, et après ça, chef, mettez le codenna frit. Et chef, en principe, un plat comme ça, combien de temps pour un monde pour préparer? Un plat comme ça, il y a pour un monde, sous commencer A jusqu'à Z, il y a pour un monde maximum 45 minutes. 45 minutes. 45 bien sûr, en considérant que codenna nous un temps épicé. Oui, c'est s'il est épicé, mais s'il est épicé, codenna est épicé, il est bouilli, c'est ça, on met ici. Bon, si on faut mettre de l'eau, on met de l'eau, puis il faut bouillir pour le cas mou, parce que dépend d'un codenna qui est très très dit, tout le monde. En plus, le monde dit qu'on pas manger codenna comme mou. Vous comprenez ça? Il y a passé le code de lundi. Oh, il n'a pas bien cuit. Oh, yeah! Il dit dans qu'on wash. C'est bien, c'est ça qui vient, qui fait l'air nous-mêmes nous fait ça. Ou ap gade ça, ou ap wè comment code ça, il lagué tant qu'on vient de poule ou bien on vient de poisson. Effectivement, l'homme piqué code si nous ka caméra ka zooming, n'a pas wè que il a nous piqué, nous bien code de et bien cuit, et puis chè
et tu as la fraîche et nice, bien doré, donc et puis et tendre. Donc en son belle bagarre le côté de nous est bien faite, les viandes nous bien préparées. Bien, nous va regarder, nous va tester pour nous et comment et s'il bien assaisonné, s'il bon. Chef. Il va gagner plus sel, il va gagner plus l'acide, bien assaisonné et bien tendre. Donc encore une fois compliment chef. Plat bien réussi et on va gagner un fritage sans une surprise haïtien. Hein? Mais c'est pas n'importe pickles, c'est au King Pickles. Préparation au King Restaurant. Chef, compliment. Un plat bien réussi. Nous, comme nous-mêmes haïtiens, je nous remets fritaille. Eh bien, m'invitez-nous. Vin prendre fritaille nous dans au King Creole Restaurant. Plus tard, dans 56 95 West Dixie Highway, dans Ville North Miami. Ici, non, Floride. Bon appétit tout le monde. Bonsoir tout le monde. Non pas moi, c'est Gisèle Mésidor, directeur Café Olé Production, qui voulait faire nous tous connaître que Café Olé Production retourne avec Culture en Folie dans la Casa Champette, deuxième vendredi de chaque mois à partir de 10h dans la soirée. Venez découvrir une pléiade d'artistes, une pléiade de talents dans la poésie, chansonnette française, musique jazz, défilé de mode et tout ça. Pas oublier, rendez-vous à deuxième vendredi de chaque mois dans Casa Champette qui est dans Pembroke Pines, Florida, n'attend tout le monde à la ronde bade. Bien diverti. Ciao! Merci encore une fois à Chef Celestin pour cette ça. M'a invité nous encore une fois, si nous de passage en Floride ou bien si nous vivons en Sud Floride là. Font arriver dans aucun créole restaurant qui sous Wazik Siavre dans ville North Miami. M'a rappelé nous grande date yo, c'est le 2 octobre pour International Reggae and World Music Awards à Wama. Pour plus d'informations, allez sur irawma.com pour nous capables pratiquer nous, pour nous capables aller et applaudir et supporter Fabri Cheers. Pour Xtassy qui a participé dans la 35e édition à Wama. Et puis, on a songé que le 30 octobre, c'est la grande soirée hommage à Yol de Rose, un grand spectacle Haïti Cœur de Femme qui a rentré dans Miami avec comme vedette des jeunes artistes féminins comme Renette Désir, Richard Guillaume et Amy Michel pour ne citer que cela. Donc, il y a pas sous scène, Miami Dade County Auditorium. C'est un spectacle à ne pas rater. Pour plus d'informations, allez sur page Facebook Tribute to Yol de Rose. Et pour nous capables, pratiquer nous et nous capables d'aller apprécier spectacle ça. Moi-même, ma banou rendez-vous semaine prochaine pour l'autre édition de Cocktail TV Show. Au revoir tout le monde.